Mélanie Page est actuellement au Festival of d'Avignon où elle joue au théâtre. Alors qu'elle est loin de sa famille, l'actrice a eu le droit à un beau cadeau de la part de son mari Nagui. Touchée, elle lui a fait la plus belle des déclarations sur Instagram. Depuis plus de 20 ans, Mélanie Page et Nagui filent le parfait amour. Très fusionnels, les amoureux ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Dès que l'animateur de 62 ans est aux commandes d'un nouveau numéro de Taratata sur France 2, les téléspectateurs ne sont jamais étonnés d'apercevoir l'actrice de 48 ans dans le public. Toujours placée à l'arrière-plan de son chéri, cette dernière est régulièrement là pour le soutenir. Si est également le cas du présentateur qui fait régulièrement la promotion des projets de la femme de sa vie sur les réseaux sociaux. Sur le plateau de l'émission N'oubliez pas les paroles, le papa d'Adrien, Roxane, et Annabelle fait également de temps à autre un petit clin d'œil à la mère de ses enfants. Très fier de son épouse, il n'a donc pas hésité à se rendre à Avignon pour applaudir sa moitié. Mélanie Page touchée par l'initiative de Nagui. Mélanie Page participe ainsi au Festival of d'Avignon où elle joue la pièce « Ce qui ne nous tue pas » de James Hindman, ainsi que « Je m'appelle Georges » de Eric Bu. Depuis le 29 juin au Petit Louvre, la comédienne assure des rôles importants pour elle alors que Nagui lui a fait une belle surprise. Si l'animateur est occupé à Paris avec les enregistrements de ses émissions, il a pris le temps de rejoindre sa femme à Avignon. Un beau cadeau pour Mélanie Page qui a fait la plus belle des déclarations à son chéri sur son compte Instagram. Quelle joie de se retrouver avec mon mari Nagui à Avignon, même pour peu de temps. J'adore jouer devant lui, a-t-elle confié. Tellement heureuse de jouer deux pièces magnifiques et complémentaires ici. Ce qui ne nous tue pas, mis en scène par Nicolas Briançon qui est une ode à la vie, un message positif et émouvant, et qui me fait vibrer de plus en plus fort, 13h15 au Petit Louvre, et Je m'appelle Georges, mis en scène par Eric Bu, qui est un bonbon de comédie romantique et qui fait passer un tel bon moment aux spectateurs, 17h40 au Théâtre Actuel. Venez nous découvrir et profiter de ce beau Festival of Avignon. Mélanie Page est une femme comblée.